يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La dernière fois que nous finissons guette la raison qui fait un jihad, nous finissons trouve que quand la personnalité d'un musulman, ensuite, quand fin attaque sur religion, mais là aussi quand il y a le fait jihad, il y a un règlement qui est attaché. Qui est ce règlement là? La loi charia. C'est ce qui nous dit la loi islam. Même dans le jihad, il y a même la loi. Donc de là, nous pouvons comprendre que les pas permettre quand quelqu'un a fait jihad, le jihad est tout de pied de côté, les vignes, les amis, comme ça. Si vraiment il y a un entre ces deux cas là pour faire jihad, ok, vine là. Tu as besoin de connaître toi qui peux faire jihad, tu n'as pas le droit de aucune madame. Tu n'as pas le droit de tuer des enfants. Tu n'as pas le droit de tuer des gens qui sont malades. Tu n'as pas le droit de tuer des vieux gens. Tu n'as pas le droit de tuer des prêtres, des moines. Et tu n'as pas le droit de tuer des travailleurs. C'est le premier là. Et quelqu'un qui peut faire jihad, il a besoin de connaître ça. Banna de la guerre, toi, tu as besoin de vendre ça. Parce que ça, tu n'as pas le droit de tuer. Condition qu'un quelqu'un peut faire jihad là. Ensuite, il continue. Il n'a pas le droit, comment nous dire, martyrise l'école. S'il y a un coup de balle, un coup de flèche, il mot, il mot. Tu n'as pas venu te couper, tu vas dire, il y a une preuve avec l'école. Tu n'as pas le droit de tuer aucun animal de jihad. Tu n'as pas le droit de rendre personne de plantation. Tu n'as pas le droit de prendre des lieux ou bien puits. Et tu n'as pas le droit de tuer aucun, craser aucun la case. Bon, peut dire où la loi de la religion de l'islam, ça qu'on appelle le sharia, quand il s'agit de jihad. Ou pas gain droit craser aucun la case. Ou pas gain droit tuer aucun animaux. Ou pas gain droit martyriser l'école. Ou pas gain droit rendre de ce travail, attaque ce travail. Ou pas gain droit attaque ce ban de l'eau, ce ban la rivière, ce ban puits de l'eau. C'est tout. Parmi ban quelque chose qui ou pas gain droit, ou pas gain droit tuer un djimoun qui est blessé. Soit on tue un seul coup, mais c'est une blessé ou bien les six blessés. Nous qui trouvons la tendance là, il y a de protester. Tu peux la guerre, moi, tu es blessé, bon, moi, tu as mis le travail là. Et, ou pas, il y a un droit, un dimoun qui peut sauver le champ de bataille ou attaquer les LED ou tout. On mémorise tout, ou on peut mémoriser ça. Ou bien régler les alos. Régler tout ça là. Un dimoun, avant, il a fait djihad, il a besoin de tout ça là. Tout ça, un dimoun là, il n'a pas un droit de tuer. Donc, de là qu'il nous comprend, il comment dire une opération chirurgicale où tu zis sa place qu'on vient faire l'opération là. On vient faire bypass, on vient mettre stent, ou pas ouvrir les pieds du monde là. Ou pas ouvrir ce talon. Ou pas regarder de poumon, que ce n'est pas fumer. Ou vient faire ça là. Ou content tout zis avec ça qui concerne où, veut dire ben du monde qui l'a le champ de bataille et. On dirait comme un résumé où vous trouvez que la religion de l'islam lui montre clairement qu'il n'est pas permis pour déclencher l'hostilité, veut dire djihad, excepté pour repousser une agression, pour protéger la propagation de la religion de l'islam et pour décourager ban fitna, ban tentation et ban oppression ou religion. Si c'est ça, ban kala qui est un djihad, avec sa ban condition qui nous fait prendre là, et quand ça finit d'arriver, ça qui appelle djihad la guerre sainte, c'est ça. Mais sinon, comment nous finir dire, ce n'est pas tout quelque chose qui appelle djihad la guerre sainte, parce que comment nous avons dit hier, il y a plusieurs façons qu'un djihad fait djihad. Pour nous terminer, c'est que le prophète Mohammed, c'est lui qui recevait la religion de l'islam sur la loi, il participe de plusieurs djihad. Et si nous pouvons faire djihad la guerre sainte, il participe de plusieurs. Occupé, écoute-moi, prends-le bien. Un seul djimoun l'intouye. De plus qui dix batailles l'inparticipé. Il touye un seul djimoun. Sinon, il blesse djimoun, il va touye. Il touye un seul djimoun. Et ça, un seul djimoun qui l'intouye là, la cause l'inpromette lui qui m'obtouye toi.
depuis de Makka. Rapidement, le récit c'est quoi? Quand Ubay ibn Khalaf, pour un man qui tu peux faire lui dominer quand il est de Makka, lui dit à Moufinasté, un sable pour te toi avec ça au Muhammad. Le prophète Muhammad, peut soit sur lui, dit à lui comme ça, qui bon Dieu aide-moi pour te tuer avec ça. Dans la bataille de Badr, qui vient prendre place le 2e Hijri, 2e calendrier islamique, dans sa bataille-là, qui le messager croise avec lui, trouve lui, les aide sur sable et lui prend ce sable même lui, tue lui. Une seule personne, le prophète Muhammad, peut soit sur lui, fin tuer le champ de bataille, parce qu'il dit mon natijali mon aste ça pour tuer toi, et il retourne ça pour une invocation qui bon Dieu fait moi tuer toi avec ça. Apporte ça, jamais le prophète Muhammad, puis ça sur lui, fin tuer un dimoun le champ de bataille, et plus encore, il pas fin tuer un autre personne en dehors de ça, pour montrer nous vraiment les fin vin comme une pitié, même dans les moments les plus difficiles pour toute l'humanité. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته